Waouh ! Quel son et lumière ! Ce n'est pas croyable, on dirait que ça vient d'une autre dimension. Oh, oh, ça se referme ! Regarde ! C'était une de ces portes donnant sur un autre monde ! Il faut partir d'ici tout de suite ! Tu as préparé des saucisses épicées? Génial! Tu es pile à l'heure pour le déjeuner, Sonic. Bon appétit! Non, ça manque un peu de poivre. Mais c'est complètement vide. Voilà, je t'en apporte d'autres. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh, plutôt bizarre. Un ballon de baudruche rempli d'encre. Je crois qu'il m'a adopté. J'aimerais bien moi aussi, mais ça serait pas sympa pour lui. On est toujours en voyage. Je te promets que je m'occuperai de lui. Il ne nous embêtera pas, juré. Oh bon, d'accord. On le garde jusqu'à ce qu'on découvre où il habite. Ah super, tu as entendu ce qu'il a dit, Globule? Eh, c'est comme ça que je t'appellerai, Globule. Globule, hein? Ah ouais, c'est pas mal. Et en plus, ça lui va très bien. Bienvenue au club, Globule. Eh, mais c'est mon déjeuner. Globule adore les saucisses épicées, lui aussi. Il ne nous embêtera pas, hein. Hey, Sonic, regarde ce qu'on arrive à faire tous les deux. Allez, Globule, grimpe sur mon dos. Globule est le point de mire. La foule est en délire. Tu veux une autre saucisse épicée? Oh, ça fait déjà 4 douzaines aujourd'hui. Cet animal est un vrai glouton. Globule, non, redescends tout de suite. Les flibustiers sont impatients. Hey Scratch, c'est quoi déjà notre nom de code? On est la patrouille anti-peste. Oh oui, on nous a demandé d'éliminer les deux plus gros virus. On va leur faire la fête. Hey, tu mâchouilles ça depuis combien de temps? 3 semaines. Parfait, donne-le-moi. Vipsonic! Tu vas voir, je suis devenu pilote d'acrobatie. J'ai failli attendre, Coco Pat. En plein dans le mille. Je sais pas si Thaïs voudra de son chewing-gum. Ça va, Eka, Banzai, tu ferais bien de numéroter des abattis. Je te trouve vraiment très téméraire. Oh.
bosser. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Bon sang, bon sang, bonsoir. Robotnik va me donner mes meilleurs flibustiers du bois. Tiens bon, Sonic, j'arrive. Je vais te délivrer. C'est pas, je vais t'avoir, Nedbeul. Ah, je crois que ce Nedbeul m'a eu. Oh, t'as vu ce qu'il a fait? Ouais, merci Globule. Je ne sais pas qui tu es, mais tu m'as sauvé la vie. Oh. Arrête, j'ai déjà pris une douche ce matin. Oh, on dirait qu'il commence à avoir faim. Ouais, mais il y a plus de saucisses épicées. Arrête, Globule. Oh, écoute, calme-toi un peu. Il ne supporte pas d'avoir faim. Je reviens tout de suite. Hey, Globule, ça te plairait de manger un gros steak bien saignant? Oh, il n'a pas l'air d'aimer ça. Très bien, je sais ce qu'il veut manger. Voici un beurre de cacahuète dont vous allez me dire des nouvelles, Maître Globule. D'accord, ne t'affole pas surtout. Notre menu est varié. Est-ce que ça te plairait? Une grosse pizza? Des têtes de martiens? Une brochette de hareng? Sauvons-nous! Je crois qu'il n'apprécie que les saucisses épicées! Oh ben alors je vais lui en donner! Oh, j'avais gardé ces saucisses pour mon 4 heures! Pauvre demeuré! Tas de déchets immondes, bout de ferraille rongé par la rouille, aussi aspiré que des broyeurs à ordures! Je vous donne comme simple mission d'exterminer Sonic! Et vous échouez lamentablement! Espèce de plaque de tôle miteuse délabrée bouffée par les vers, qu'avez-vous à déclarer pour votre défense? Nous avons quand même rapporté nos avions, votre haute répugnance! Vous mériteriez! Patron, je veux bien me dévouer pour vous éviter cette peine. Votre atrocité, c'est pas entièrement de notre faute. Oh oui, bien sûr. Vous avez osé me raconter qu'une petite boule noire est apparue et qu'elle vous a avalé vous et vos avions. Pas si petite que ça lorsqu'elle est en pétard. Et vous imaginez peut-être que moi, je vais gober de Paris Ineptie. Vous me prenez pour un imbécile de quelle espèce, sale petit vaurien? Oh, de la pire espèce, votre ignominie. Continue de frapper et ferme-la. Oui. Ce jeune freluquet possède un animal de compagnie. Il pourrait bien me servir. Je pourrais utiliser cette maudite bestiole pour appâter Sonic et l'attirer dans mon piège. Je t'assure que Globule est mon ami. Il ne sait pas faire le mal. Je te jure. Je te promets qu'il recommencera plus jamais. Écoute, je trouve qu'il est trop dangereux. Oh, mais non, ce n'est pas vrai du tout. C'est simplement un très gros mangeur. Toi aussi, tu manges beaucoup et je ne te dis rien. Oui, mais moi, je ne mange que des saucisses épicées. Je trouve que c'est un danger pour nous. Mais il est très gentil. Et tu as vu ce qu'il a fait tout à l'heure? C'est probablement un monstre venu de l'espace. Ou bien il est arrivé d'une autre dimension. Je m'en fiche. Je suis fière d'être le premier Mobiusien à en posséder un. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas garder cet animal. Eh ben moi je suis pas d'accord. Tiens petit petit, viens mon mignon Globule. Viens voir ton pépère.
Quand l'éclair a frappé Grounder, c'était comme si une porte s'ouvrait sur une autre dimension. Je crois que Globule s'est échappé par cette porte. Et alors? Nous devons découvrir le moyen de réouvrir cette porte. Comme ça, Globule pourra rentrer chez lui. Dommage, mais il le faut. Et d'abord, il faut qu'on le ramène à... Hé! Mais où est passé Globule? Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de Robotnik. Si vous tenez à votre monstre, et si vous voulez le retrouver vivant, constituez-vous prisonnier. Mais nous devons le sauver. Il faut faire quelque chose, Sonny. Oui, tu as raison, il faut le libérer. Si Robotnik découvre le pouvoir de Globule, il peut s'en servir pour détruire toute la planète. Ce n'est plus qu'une question de minutes avant que Sonic et son jeune pote viennent délivrer leur petit animal domestique. Et lorsqu'ils seront là, je réduirai Sonic en poussière sidérale. Ah ah, vous croyez qu'ils vont se déplacer pour cette butte de chewing-gum avarié? Et bien sûr qu'ils vont venir, idiot! Pour un gamin, il n'existe rien de plus sacré que le lien d'affection qui l'unit à son animal. Oh, je suis très bien placé pour le savoir de toute façon. Oh, vous avez eu une bestiole! Pour moi, Monsieur Bobo était bien plus qu'une bête de compagnie. Il était l'ami idéal, le complice d'un vilain comme moi. Brave, digne de confiance, loyal. Toujours prêt à partager ses repas avec les autres. Oh, qu'est-ce qu'il me manque, ce gentil petit cafard? Silence, bout de caoutchouc immonde et visqueux, et qui sont mauvais en plus. Hé, patron, faudrait peut-être pas l'exciter comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire d'après toi? Il va bouffer mon laboratoire. Je t'ai dit de la fermer, créature ridicule en forme de tube de peinture éclatée. Hey, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il lui prend? Ah, ça recommence! Ça pourrait peut-être nous servir. Comment ça? Vous comptez ouvrir un magasin d'antiquités? Non, serre-toi tes neurones! Si je parviens à canaliser la puissance de cette bestiole, je serai débarrassé de Sonic une bonne fois pour toutes. Ah ah! Globule va bientôt retrouver sa liberté! En avant toutes! Allez, suis-moi! Ça va décoiffer! Mais comment on rentre, Sonic? Oh, si tu as des doutes, utilise la porte! Après toi! Toi! Oh, c'est sûrement la chambre de Robotnik! Oui! Tout a une forme d'œuf comme sa cervelle. Dépêche-toi, il faut trouver Globule.
Tiens, tiens, Scratch, regarde, nous avons de la visite. Allez, pousse-toi de mon chemin, mon gros. Oh, bon sang, cette maison devient répugnante. Qu'est-ce que vous en dites tous les deux? Heureusement, t'es arrivé juste à temps pour faire le grand ménage de printemps. Oh, Grounder, je crois qu'il est temps à présent d'envisager de passer l'aspirateur. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de poussière. Me voici, votre médiocrité. Globule, non! Oh, j'ai eu Sonic! Je l'ai eu! J'ai gagné! Oh, ça mérite que j'augmente mon salaire! Vous allez bien protéger cette sacrée bestiole! Oh, c'est ce qu'on appelle un rond de toute beauté! Attrape-le! Ne t'excite pas! Bonjour, je m'appelle Elga, votre nouvelle bonne. Puis ça? C'est l'agence qui m'envoie. Oh, quelle porcherie cette maison! Ça a vraiment besoin d'un bon coup de plumeau. Bah! Dites-moi, cette machine n'a pas l'air de bien marcher. Oh, je vais la réparer. Mais t'es pas une femme de ménage, toi! Oh, ta cervelle fonctionne rudement bien! Tu risques de devenir phénomène! Qu'est-ce que c'est? Dépêchons-nous! Il faut mettre plein gaz! Vite, les turborobots! Prenez-les en chasse! Oh oh! Sonic, ils sont juste derrière nous! Bon, surtout, restez où vous êtes! Allez, on file! Il commence à pleuvoir. Viens par ici, Globule. Qu'est-ce que tu vas faire, Sonic? C'est l'endroit exact où la foudre a frappé l'autre fois. On va peut-être réussir à provoquer le même phénomène. Et Globule va être repropulsé dans sa propre dimension. Ça y est, les voilà. Oh, à toi de jouer, beau gosse. Largage immédiat. Pas nous, abruti congénital. Les bombes. Oh, j'ai l'impression que je vais en prendre pour mon grade une fois rentré au bercail. Où il faut que j'écrabouille le hérisson. Hé, hey, Grondin, tu me cherches? Non, c'est Grounder. Désolé, sac à boulon, tu arrives trop tard. Ah, le soleil montre le bout de son nez. Tu veux des saucisses épicées? Non, ça ira, je n'ai pas tellement faim, tu sais. Allons, renard! Après manger, on trouvera peut-être un nouveau copain! Tu crois? Un monstre génial à valeur de cailloux? Ah, ben moi je pensais plutôt à un poisson rouge, mais on en reparlera!